On se bon les carnets, quand on ouvre un dossier, là, tout vient. Je pense à Opalka, Bernard Noël sur Elion, et retour à Bernard Noël, ce journal du regard. Ce journal du regard, c'est-à-dire, bah c'est tout simple. Tu commences en 1970, puis tu peux aller jusqu'en 1995, et à chaque fois que là, tu prends une petite note. Faut pas que je vous montre ça, moi, c'est mon petit calepin dans ce moment, c'est mon stylo dans ce moment, et puis le matin, tu te dis, je prends 20 minutes au moins, et juste ça et ça. Tu vois, c'est miraculeux. On pourrait appeler ça écrire au temps du numérique. Bon, Bernard Noël, je ne sais pas comment étaient ses carnets. Je n'ai pas eu le temps de lui demander. Mais de temps en temps, c'est des notes sur voir. Voir, et donc peindre, et donc penser, et juste là, faire un livre avec la collection de ses notes sur le voir. Ça commence comme ça. C'est tout. Et la mise en page est ultra simple. 1970. Parfois, un éclair blanc traverse tout et l'image de la réalité devient radiographique. C'est une apparition, mais on n'y voit que la chose la plus simple. Exemple, la ruelle de Vermeer. Tout y est si minutieusement exact qu'on ne comprend pas d'où vient le saisissement et qu'il persiste. La lumière est intérieure. Cet intérieur est dehors. On voit la matière en train de se penser lumineusement. On la voit devenir mentale sans cesser d'être de la matière. Est-ce que tu comprends le respect qu'on pouvait porter à cet homme qui s'appelait Bernard Noël? Et comment avoir eu la chance d'être son ami, comment il reste là, derrière l'épaule, avec sa grosse voix, là, le Bernard, tu comprends, François? Je ne sais pas si je comprends. Mais en tout cas, ce qui est étonnant dans ces notes, 70, il n'y en a qu'une. 71, il y en a trois. 72, les choses sont-elles sous les mots? Qui ferait-elle? Inutile de les chercher sous leur image, elles n'y sont pas non plus. Mais alors où est la réalité? Est-ce que c'est un lieu? Qu'est-ce qu'un regard? Mettre en mots consiste à projeter le monde sur son intimité. Mettre en image entraîne à projeter son intimité sur le monde. Dans le premier cas, on fabrique du lisible. Dans le second, on pense faire un objet visuel, mais lui aussi sera lu. L'objet écrit est un objet imaginaire. L'objet représenté par la peinture ou la photographie est soit une copie sans intérêt, soit un objet ambigu, puisqu'il appartient à deux espèces. La réalité, où il fut prélevé, la mentalité qui, en le choisissant, le métamorphosa en elle-même. L'objet réel ne suscite que son nom, qui le fait oublier. L'objet mentalisé retrouve parfois dans l'œil sa réalité. Et cette question d'œil, elle va devenir centrale à mesure que les notes de Bernard Noël, c'est pas qu'elles se raccourcissent, il y en aura toujours des longues, mais là, j'aurais envie de rester, vous voyez, en 1972, sur les notes les plus brèves. C'est-à-dire, je vais faire défiler là, sur mon iPad le texte, et puis, chaque fois que j'en verrai une, vous savez, comme les faits divers de Félix Fénéon. Il y en a plus de 2000 qui tiennent chacun en trois lignes. Et bien, chaque fois que j'en vois un en trois lignes, on se fait ça 20 minutes. Vous arrêtez quand vous voulez, comme d'habitude. Le réel se convertit imperceptiblement en visible, tout comme le visible se convertit en mental. Le regard les entraîne l'un vers l'autre, tantôt changeant les choses en signes, tantôt déchirant le tout pour voir. Le regard est l'espace communicant. Il fait de l'espace l'élément de la communication, sa matière. Parce qu'il est à la fois emblème et présence, le tableau se comporte davantage comme un corps que comme un signe. Et on est passé en 1973. L'invention du cinéma parlant a peut-être retardé l'évolution du langage cinématographique. La parole, le plus souvent, double l'image et empêche de la voir. On parle au cinéma comme si voir ne suffisait pas, comme si voir n'articulait pas. Voilà.
Le rapport de Bernard Noël à Artaud, c'est pas une découverte. La phrase a une vitesse linéaire qui est en contradiction avec la fixité de l'image peinte. L'intensité de la peinture est liée à son immobilité, alors que l'intensité de la parole est liée à son déplacement. Voilà, t'as 2 heures pour ta disserte. Ce qui bouge dans la peinture, c'est uniquement le regard du spectateur. Une ligne et demie, hop là. Le travail du peintre est le dessous de la peinture, comme la réalité est le dessous du visible. Le travail et la réalité sont ainsi dissimulés par la visibilité qu'il crée. Ben oui, c'est encore une autre strate d'interrogation. Et qu'est-ce qui, dans la lecture, incite à la méditation, à l'arrêt, au temps, alors que quand tu le prononces comme ça, est-ce que ce sont des textes destinés à être lus? Ouais, je vois bien Bernard. Là, pieds nus, dans une salle, n'importe où, un soir, graffiti relevé sur un banc. Ici, assieds-toi et regarde. Mais tant pis pour toi, si tu ne fais que t'asseoir. 1975. L'œil qui ne lui fait confiance. Nous avons foi dans ce que nous voyons. Le regard nous sert de critère de réalité, mais ce que nous voyons, le regardons-nous encore. Toujours fragment de 3 lignes. Le visible se présente à nous comme une totalité qui recouvre la fragmentation du monde, qui l'unifie. L'œil ne retrouve la réalité recouverte qu'en fixant l'un de ses fragments. 2 lignes. La peinture propose une surface d'illusion qui est à son propos ce que le visible est à la réalité. Voir l'illusion est une manière de penser la limite, car la limite n'est elle-même qu'une illusion dans le jeu de la pensée. Et quand même, une exception, une qui fait 7 lignes. Qu'est-ce que le fond dans la peinture, puisqu'il n'est pas un fond, mais un recouvrement? Dédicace Jérémy Liron. Et qu'est-ce que le fond de la pensée qui, en elle-même, n'a pas de fond, mais qui, tout de même, se représente bien quelque part? Montrer le fonctionnement de la pensée consisterait à détruire sa représentation au profit de son seul surgissement, mais en quel lieu? Il faut une surface volumineuse, une surface d'illusion. Je reviens au cours. Nos images de la réalité ne sont le plus souvent que des images d'images, donc des fantômes. Les médias nous bourrent de ces ombres au nom de l'information, laquelle n'est ainsi que l'illusion de l'illusion, tout en se donnant pour la réalité. Encore plus court, ne suffirait-il pas de changer le nom d'une chose pour en changer l'usage? On saute. Nous cherchons dans les images une ressemblance qui nous rassure, mais le visible n'est-il pas d'autant plus visible qu'il nous dérange? On saute. Il faut que l'autre soit mon semblable pour que je reconnaisse en lui l'autre. L'altérité a besoin de l'écran, de la ressemblance. Je laisse les longs. L'écriture, dit Magritte, est une description invisible de la pensée et la peinture en est la description visible. L'art de peindre, dit encore Magritte, est un art de pensée dont l'existence souligne l'importance du rôle tenu dans la vie par les yeux du corps humain. L'art de peindre a pour but de rendre parfait le fonctionnement du regard grâce à une perception visuelle pure du monde extérieur par le seul sens de la vue. Désolé, elle a débordé, elle était 5-6 lignes. Le silence de la surface correspond à celui des choses qui se contentent de leur évidence. Le visible ressemble à ce qui est, mais nul ne se sent frustré par cette ressemblance, sauf s'il se demande « qu'est-ce que la réalité ?» Là, c'est toute une suite de fragments extrêmement courts, je n'ai pas à choisir. Les images représentent du regard et non pas de la réalité. La vue n'est pas un constat, c'est une lecture. Nous lisons le visible tout en croyant regarder la réalité. Il n'y a pas de regard sans un espace du regard. Tâcher de percevoir ce volume entraîne à percevoir un lien qui unit l'espace d'où part la vue et celui qu'elle parcourt. La réalité n'est pas dans le visible, elle est dessous, comme la toile est sous la peinture.
Le regard traverse la vitre sans la voir. Si vous prenez conscience de la vitre et du fait que dans le regard elle intercale une épaisseur, vous découvrez aussi l'épaisseur transparente qu'englobe le regard et qui le constitue. Le visible ressemble au réel. Le fonctionnement de cette ressemblance est analogue à celui de la pensée. L'œil a son lieu à l'extrémité du visible, mais celle-ci est au même endroit que l'extrémité de l'invisible. Le réalisme n'est qu'un interdit jeté sur la réalité. Le réalisme est toujours la langue du pouvoir. Il réduit la réalité à lui-même et qu'on n'en parle plus. Le visionnaire voit sa vue et dans le mouvement de cette vision ne rabat plus réalistement l'image sur son référent, mais l'objective et la transforme en une pensée de la réalité. Qu'est-ce que la réalité ? Entre la pensée qui se demande ce qu'est la réalité et la réalité elle-même, il y a le visible. La pensée incorpore le visible, puis le restitue à la réalité sous la forme d'un objet mental. Cet objet, surtout s'il s'agit d'une image, ressemble à ce qui arrive à la réalité en nous. Tout est là, devant moi. Tout le réel, rangé sous la vitre du visible. Tout est là, devant moi. Sauf mon corps. Devant mon œil, le visible. Derrière lui, l'invisible. Au-delà du visible, la mort. L'œil est orienté, absolument. Le visible, c'est la chambre blanche où tout se donne à voir, lumineusement. L'invisible, c'est la chambre noire qui, en moi, transforme tout ce qui est hors de moi en visible. Dans toute œuvre visuelle, la visibilité est le résultat du travail obscur de la main. Cette visibilité voyage à travers le corps, de l'œil à la main, puis elle entre dans le regard. Quand la main cesse de voir, nous sommes aplatis. Nous perdons notre volume. De ressemblance en ressemblance, on peut construire d'autres mondes. La ressemblance est l'outil mental par excellence. La perception visuelle transforme l'image de la réalité en image ressemblante, et c'est par là qu'elle engendre une pensée visible. La conscience coupe le visuel du mental, elle nous fait oublier leur continuité, leur ressemblance. La main qui saisit extériorise, l'œil qui saisit intériorise, il abstrait des images. Qu'est-ce que la fameuse vie intérieure qui s'ensuit ? Les trois, je les ai lus presque en continu, mais ils sont en discontinu, ces trois fragments séparés. L'œil est l'organe du sens. Il oriente de l'horizon vers le visage, puis vers la langue. Pour voir, il faut faire retour vers le corps. Il n'y a pas plus d'au-delà que d'invisible, mais il existe un en-deçà qui est notre corps et qui est le lieu du regard et du travail des yeux. 1977. La nudité en peinture n'est pas la représentation du nu, mais la création de son équivalence. Il faut que la surface soit de la peau. Nous n'aurons jamais assez de peau pour toucher le monde et pour être touchables. Jamais assez de peau voyante sous nos yeux. Saute. Le corps du peintre, quand il peint, est une articulation de l'espace, et l'espace alors est en lui la vue et la lumière. La réalité se dérobe derrière les signes qu'elle nous fait, mais c'est que nous les préférons parce qu'il est plus facile de les traiter comme la monnaie de nos yeux. L'œil fixe dans le regard l'élément de la vue. Chaque chose visible est à la fois visible et chose. Nous faisons rarement la différence, et pourtant la chose n'est entière et présente qu'au moment où nous la faisons. Saute. Avant de penser à ma vue, j'étais ma vue. Ma vue contient tout sauf moi. C'est uniquement quand je la regarde que j'y suis. L'œil se révèle devant l'obstacle, car l'obstacle le tourne vers lui-même. Tout ce qui arrête l'œil est un miroir noir, pas d'image, rien que du dos, et le désir de surprendre la surprise qui est là derrière se tient menaçante. Celui qui voit n'a pas le même horizon que celui qui regarde. Le second choisit l'autre pas. 1978. Les fragments ont tendance à s'allonger.
La représentation est constamment liée à un décor qui en est le support, la surface, le volume, et qui en conditionne le sens. L'œil, en voyant, accomplit un parcours, depuis son ouverture jusqu'au fond qu'il arrête. Ce parcours est le contenu de son regard, mais pas son sujet. Fixer le parcours, c'est tenter de voir la vue. Matière. Un regard strictement limité à lui-même et imposant son seul contenu, mais un regard mis naturellement en situation, d'où le sujet. Un prisonnier explore sa cellule avec ses yeux. On ne voit jamais rien d'autre que ce qu'il voit. Tantôt son regard va et vient, tantôt il fixe. Ce double mouvement ne décrit pas la cellule. Il n'y a rien à voir du point de vue du prisonnier que des détails. Et quand il les regarde, il les fixe. Rien que des surfaces, pas d'action, sauf une finale, brutale, et qui agresse le seul regard. Sens. L'enfermé est en boîte, mais le visible également est une boîte. Le regardeur est l'un des côtés, les murs l'autre. Parfois, le regard traverse toute la boîte et se heurte au fond. Fond qui est un détail du fond. Le détail est un grossissement. La vision claire est un grossissement. Il n'y aura pas de paroles, seulement des bruits extérieurs à la boîte, des pas, sans expressionnisme, des chocs métalliques, des cris, une rumeur, un seul texte, celui d'un graffiti très chargé, très fort, très saisissant. Il faut que de temps en temps on voit l'air, qu'on le sente là comme l'eau du regard, son élément, son ingrédient même. Commencez vers le sol, regard baissé, pas de description générale du lieu, des morceaux de réalité qui crèvent les yeux, des regards en suspense. C'est à l'intérieur de cela qu'on voit l'air. Le contenu du regard, le regard est un contenant, le contenant est contenu par le point de vue. Quand le détail devient toute la vue, il n'y a plus de distance. Le visible est la chose et non son image. La vision de la limite n'est pas supportable. L'air tremble et c'est alors qu'on le voit. Il est la substance du trembler. Fusion. Le regardeur et le regardé se touchent dans l'air. Il n'y a plus de limite. Tout est le même espace. Quand la réalité nous crève les yeux, nous passons derrière eux, ou bien nous devenons l'objet de ce que nous regardions. Exemple, la photo du supplicié chinois. Cette limite renversante est l'instant où l'identité et la non-identité s'échangent et s'équivalent. La garantie du visible, c'est le réel. Le réel circule sous l'espèce du visible. Cette circulation est l'énergie du sens. Parfois, le regard tente d'isoler le visible à l'intérieur de la vue, et il cherche ensuite à faire le tour des choses dans l'espoir qu'ainsi leur visibilité sera moins intense que leur réalité. Le visible est la maison du sens. Son espace est de la pensée en instance, et du dehors qui va se penser dedans. Dedans n'est que l'espace inversé, et là le visible se métamorphose en son image, de telle sorte que tout ce qui apparaît dedans ressemble à tout ce qui est. Dehors, 1979. Si aucune image ne peut être littérale, c'est que tout regard se dédouble d'une métaphore. Le réel fait figure dès qu'il est dans nos yeux. Fragment, 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 toujours. Voir ce qui est ne suffit pas pour le voir. Il faut faire un bond à travers le visuel afin de franchir là-bas, tout au bout des yeux, la désunion. Le réel et le visible s'articulent comme le font nos lèvres. Ils forment la bouche du monde. L'image est le souffle de cette bouche qui se réfléchit sur nos yeux. Et ce souffle porte et remplit notre regard. Là-bas, derrière la vue, il y a la solitude du réel. Ici, derrière les yeux, il y a l'ouverture qui mène à la rencontre du réel. L'espace du tableau contient parfois cette ouverture. Derrière la tête. L'image est illusoire, mais le regard est réel. C'est en captant ce réel-là que le peintre transforme l'illusion de la peinture en présence de la réalité. Vivre, c'est sortir de la représentation. Mais dès que nous en sortons, nous ne savons plus ce que nous vivons. L'écriture se précipite en avant. La peinture se précipite sur place. L'une est toujours en retard d'une présence, l'autre en a trop, ce qui lui permet de doubler son avance et de laisser derrière elle traîner le sens. Le monde n'a pas d'envers, sauf derrière nos yeux. Ce retournement s'appelle la vision.
mais chacun lui préfère la vue, qui remet les choses à l'endroit. La vision contient le monde et la vue plus que ce qui les voit. L'image veille en nous, elle n'a pas de paupières. Qu'est-ce que la pensée peinte ? Point d'interrogation. C'est une matière qui fait voir. Quel lien y a-t-il entre voir et penser ? Un lien fondamental et que la peinture ranime. Le regard est un silence. La peinture, écrit Gustave Moreau, est un silence passionné. Parfois je suis ce que je vois, c'est le bonheur. Je regarde, j'oublie mes yeux. Le visible est ma tête de dehors, ma grande tête ouverte où les choses sont mes mots. Les yeux vont d'une chose à l'autre, le regard fait le lien et invente la continuité du monde en même temps que celle de « je ». Il m'a dit « voir vraiment, c'est mourir » ou peut-être était-ce « voir vraiment, c'est voir la mort » à moins qu'il n'ait dit « le visible nous cache la mort ». Quand on regarde les yeux, on sait que rien n'est plus clair que le mystère. La clarté est incompréhensible. Quand on a perdu la clarté des yeux, on ne sait même plus qu'on ne sait pas. Je ne me connaîtrai jamais, dis-je. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas regarder mes yeux au moment où ils regardent. Bon, évidemment, on entend aussi Maurice Blanchot, on entend aussi Edmond Jabès. Mais comment ? Prenez là, Maurice Blanchot à gauche, Edmond Jabès à droite, et puis mon Bernard, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il transverse sa queue par-dessus tête. Derrière nos yeux, le regard métamorphose le visible en matériaux d'une activité invisible. Chaque image contient le peu d'air qui suffit à l'articulation du regard, tout comme entre les dents, un peu d'air suffit à l'articulation de la parole. Ce que nous voyons ressemble à ce que nous pensons, comme ressemble à la pensée du peintre les choses qu'il a figurées sur la toile. La vue est immédiate, mais ce qu'elle saisit, il faut qu'elle le réfléchisse. Ainsi donc, devient-elle pensive. Puis ça continue, 1980, l'appareil mental, texte là, d'un bloc, l'appareil mental. Quand le regard est vide, il est plein d'air. Bon, ça saute comme ça. Et puis, texte de fin, la peinture mentale. Voilà, Bernard Noël. Tu vois, ce qui aurait pu être intéressant aussi, c'est que je parte de la fin là, de mon PDF. Le journal du regard, en ce moment, n'est plus accessible chez Paul. On trouve d'occasion, mais alors à des prix que je ne vous dis pas. 85 francs, 12,96 €, ISBN 10,99 €. Et 1999, il a 25 ans, ce texte. Mais peut-être que j'aurais dû repartir là. Par exemple, de la 4 de couve. Que voit-on quand on voit ? Qu'est-ce qu'un regard ? Voyons-nous les choses ou bien le sens qu'elles ont pour nous ? L'espace du regard, c'est le visible. Mais cet espace n'est-il pas le pendant extérieur de celui que nous qualifions de mental ? Les images du visible, en traversant nos yeux, ne deviennent-elles pas les figures de notre pensée ? Alors, Paul Tchaïkovski-Laurence avait, ouais, c'est ça, octobre 1999, avait commencé à rassembler tout le travail de Bernard chez POL, sous forme d'œuvres complètes. Alors, probablement que le journal du regard, maintenant, il est dans un des volumes des œuvres complètes, mais bon, moi je sais pas, j'ai que mes PDF, mais quel outil aussi. Je disais, si on avait commencé par la fin, Bernard Noël, ce qu'il pense là, de voir et du regard, 1990, puis qu'on était remonté lentement, lentement, jusqu'à ce tout début là, de 1970, plutôt que se laisser couler avec lui, remonter, remonter, et peut-être qu'on l'aurait vu à ce moment-là. Le regard de notre cher Bernard Noël. Voir, dit le petit Robert, c'est percevoir les images des objets par le sens de la vue.